Bonjour chers investisseurs et partenaires. Bonjour à tous ceux qui suivent la mise en œuvre de notre projet, que l'on appelle le projet Sovelmash, ou celui des moteurs du Yunov, ou même la roue du Yunov. C'est toujours notre projet. Mais maintenant, il acquiert une idée plus prononcée et concrète, car c'est le BTEI Sovelmash. Initialement, le projet portait des noms différents, mais ensuite, nous sommes arrivés au concept pour lequel nous créons un bureau technologique d'études d'ingénierie pour la conception de machines électriques modernes avec des bobinages combinés. Vous voyez un véhicule qui fonctionne derrière mon dos. Que fait-il? Il creuse une tranchée pour effectuer des travaux de raccordement du système de l'eau froide. Voici le tuyau qui sera bientôt installé. Voici le coffre métallique pour la pose de ce tuyau hors du terrain de Sovelmash. À présent, le caméraman nous montre que de ce côté-là, l'aménagement du terrain est en cours. Probablement, vous vous souvenez de ce qu'il y avait dans cette zone-là il y a 15 jours, ou par exemple un mois. Vous vous souvenez de ce qui se passait ici auparavant et vous voyez ce qui se passe maintenant. Les ouvriers effectuent les derniers travaux avant de commencer la pose de la couche végétale. À quoi ressemble cette couche végétale? Allons dans cette direction pour voir là-bas. Voici la partie arrière de notre site. Veuillez noter que la bordure en pierre a déjà été collée en béton. Tout a déjà été fait comme il se doit. S'il vous plaît, notez que l'aménagement des pelouses a également déjà commencé. Bientôt, l'emplacement de la pelouse sera un peu plus nivelé. Et il sera possible d'y déposer de la terre fertile avec de la tourbe pour former définitivement une couche végétale et pouvoir semer la pelouse. En fait, je voudrais partager mon idée. Là où je vivais et je voulais vraiment vivre toute ma vie, il y avait une tradition très simple. En l'honneur de chaque enfant qui est né dans notre immeuble de 16 appartements, j'ai planté un arbre. Lorsque quelqu'un mourait, je plantais un arbre également. C'était des arbres fruitiers. Et tout le monde savait en l'honneur de qui chaque arbre a été planté. C'était une tradition. Mais pourquoi ne pas la relancer? Pourquoi ne pas planter des arbres ici en l'honneur de certaines personnes participant au projet ou des investisseurs? Par exemple, pour être honnête, la personne en l'honneur de qui je planterai un arbre sans aucun doute, c'est Maria Juja. Je pense que tout le monde sera d'accord. Car elle est une personne digne, active, compétente, avec une position de vie très ferme. Donc, je pense que ça vaudrait la peine de le faire. Pourquoi ne pas le faire? Réfléchissez à ma proposition et aux personnes en l'honneur de qui les arbres doivent être plantés.
Mais je vous demande surtout de ne pas proposer les noms des employés de Sauvelmash. Eh bien, allons-y. Mais soyez prudents. Nous n'avons pas fait le tour du chantier depuis longtemps et nous allons le faire maintenant. Nous pouvons entrer dans le bâtiment ou bien plutôt voir ce qui se passe dehors. Alexandre vous a déjà beaucoup dit et montré. En principe, je peux vous dire que dans le secteur chauffage individuel, les travaux d'installation des structures métalliques ainsi que des réseaux de viabilisation sont presque terminés. Maintenant, les ouvriers installent les derniers évents et après cela, ils pourront déjà installer des capteurs, connecter l'automatisation et déjà s'occuper de l'isolation thermique. Cependant, la ligne de chauffage a déjà été rincée et mise sous pression. À noter que la pression est encore plus élevée que prévu. Lors des tests, on m'a dit il faut avoir la valeur 16. Vous insistez pour 24? J'ai dit oui, j'insiste, je veux 24. En êtes-vous sûr? Oui, j'en suis absolument sûr. Eh bien, nous avons augmenté la pression et tout a résisté. Nous avons reçu des commentaires assez bons pour les travaux effectués, donc cela rend hommage à ceux qui ont effectué ces travaux. En principe, nous sommes déjà prêts à connecter le chauffage. Mais en ce qui concerne l'approvisionnement en eau froide, les caméramans vont vous montrer. Ici, l'installation des tuyaux pour les fluides frigorigènes est en cours. S'il y avait seulement deux tuyaux dans la ligne de chauffage, là, il y en a déjà quatre. Cependant, il reste peu de choses à réaliser. Les derniers joints sont soudés et après cela, nous pourrons déjà effectuer des opérations de contrôle de la qualité ultrason des joints et de la couverture des joints avec une isolation thermique. Ensuite, nous pourrons procéder au remblayage et à la pose de l'asphalte de ce côté-là, jusqu'à l'entrée du chantier. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Si vous regardez ici, vous verrez des équipements de climatisation que nous allons déplacer et installer. Voici des gravats qui sont entreposés là-bas. À noter que nous avons déjà fait livrer la quantité nécessaire pour tous les travaux. L'entreposage de tuyaux diminue petit à petit car les tuyaux se déplacent à l'intérieur du bâtiment. L'installation est en cours. Il s'agit de la pose de la tuyauterie de chauffage, de l'approvisionnement en eau froide, mais aussi du câblage pour les climatiseurs, le système de ventilateur, le système d'extinction d'incendie, etc. qui est en cours. Allons-y. Les principaux réseaux de viabilisation ont été installés. Nous terminons les derniers travaux. Il reste à effectuer le raccordement du système d'eau. Ce système sera raccordé en deux points. Nous avons déjà vu le premier point de raccordement que nous finissons actuellement. Et puis, il sera possible d'effectuer des travaux de connexion dans le point éloigné, près de la sortie du site. Vous voyez ce secteur qui a déjà été préparé pour la pose de l'asphalte. Ici, une couche végétale est formée, ce sera une pelouse. Là, les ouvriers ont réalisé un escalier et ils s'occupent à présent d'un cadre de renforcement pour pouvoir coller le quai de l'entrée au portail avec du béton. C'est une touche finale d'ailleurs. Les travaux d'aménagement du terrain se déroulent maintenant à un rythme acceptable. Contrairement à ce qu'il était avant, maintenant, presque rien ne nous en empêche. Ici, nous pouvons déjà niveler le terrain, le remblayer avec des gravats et puis poser de l'asphalte dans cette zone-là. J'espère qu'en octobre, il y aura déjà de l'asphalte posé. Je pense que ce sera réel. Maintenant, nous allons jeter un coup d'œil à cette porte entrouverte.
C'est une unité de mesure d'eau pour la réception de l'eau. Ici, nous avons des puits. Là, vous voyez les tuyaux raccordés. Et voici l'unité de mesure de l'eau et la station de pompage pour le système d'incendie et l'approvisionnement en eau. Vous voyez les ouvriers qui effectuent la fixation de l'équipement. Dans 2 jours, les tuyaux seront installés de ce nœud à la station de traitement d'eau. Et plus loin de la station de traitement d'eau, déjà au secteur chauffage individuel. Là, des travaux sont également en cours. Les ouvriers vont creuser un puits et dès que c'est fait, ce site sera complètement fini. Vous vous souvenez de la fosse et de ce qui s'est passé ici. Ce n'était pas terrible. Là, nous avons un endroit intéressant que les caméramans vont vous montrer. L'excavation de la terre y a été faite, puis les ouvriers ont commencé à niveler le terrain et ont vu que la terre ressort. Ils ont commencé à creuser la terre à cet endroit afin d'y rajouter du sable. Et ils ont trouvé une décharge préhistorique. Il y avait 2 couches soi-disant culturelles. L'une provenait apparemment de ceux qui avaient commencé à construire leur bâtiment avant nous, et l'autre date déjà de notre ère, c'est-à-dire qu'il s'agissait de l'héritage ou des déchets laissés par nos entrepreneurs généraux précédents. Quoi qu'il en soit, tout cela a été enlevé et vous voyez que le remblayage avec du sable est en cours dans cette zone-là. Lors de ces jours, ces travaux seront terminés, tout sera compacté, vous voyez l'entrepôt qui est juste à côté et tout sera fini. Il sera possible de poser de l'asphalte. Là, vous voyez un grand entreposage de tuyaux. Ces tuyaux sont des éléments des égouts pluviaux. Ceux-là sont des conduites d'eau. Une fois que nous allons terminer les travaux de raccordement des égouts pluviaux, nous allons tout remplir de terre, creuser une tranchée à cet endroit et raccorder le système d'approvisionnement en eau de ce côté-là. Par conséquent, en parlant des réseaux de viabilisation, il nous reste à terminer les travaux sur ces 3 points. Les voilà. Et ensuite, tout sera fini. Un autre travail qui est en cours et que les caméramans vont vous montrer. S'il vous plaît, faites attention. Il n'y a plus de clôture, car elle a été démantelée. Il s'agit d'une clôture provisoire du chantier. À présent, les ouvriers installent le système à courant faible, puis nous effectuerons le remblayage avec du sable. Bientôt, tout sera terminé et nous commencerons à installer la clôture permanente. Eh bien, maintenant, nous voyons l'endroit le plus intéressant. C'est le point de commande où les ouvriers travaillaient. À présent, je veux vous montrer le tuyau qui est là et vous voyez que ce tuyau est bien passé sous la chaussée et que ce travail est à présent terminé. Je regarde et je vois le bout du tuyau de l'autre côté et je vois le bord de la route, ce qui signifie que le tuyau est passé à travers. Cela signifie surtout que le travail acharné et responsable a bien été accompli et que nous avons la possibilité d'accélérer dans cette direction. Ensuite, le tuyau que vous avez vu en haut sera placé ici et cet espace sera bétonné. Au début, on s'inquiétait du fait que le revêtement isolant serait endommagé, mais cela s'est avéré ne pas être aussi grave. Une fois que tout sera collé avec du béton ici,
Ce ne sera pas aussi terrible si le tuyau est corrodé. Eh bien, maintenant, je vais sortir d'ici lentement, ce qui n'est pas si facile à faire avec une seule main libre. Je vais donc mettre mon micro pour pouvoir sortir et je vais continuer notre reportage. On voit les conditions dans lesquelles les gens travaillent. Ce travail est très intéressant, mais il est associé à toutes sortes de surprises qui attendent les ouvriers sous la terre. Vous avez déjà vu comment nous avons découvert des couches préhistoriques. Alors c'est très bien qu'aucun rocher souterrain ne nous soit tombé dessus. Allons là-bas pour s'assurer que le travail soit bien fait. Nous devons nous déplacer. Ici aussi, nous avons creusé beaucoup de tranchées. Les voilà. Vous voyez les tranchées qui ont été creusées pour pouvoir installer les réseaux de viabilisation. Là, nous avons installé un point à courant faible. Ici, il y a un puits et il y aura également un autre puits parce que c'est l'entrée principale. Et là, vous voyez des blocs qui sont restés après le démantèlement de la clôture provisoire. Ici, nous pouvons voir le bout du tuyau qui est sorti de terre. Le tuyau que nous allons raccorder se trouve là-bas. Les caméramans vont vous montrer la profondeur juste pour vous donner une idée. Ensuite, nous installerons un coffre métallique, souderons tout cela et ensuite nous allons raccorder ce réseau à celui de la ZES. Cependant, il est nécessaire de noter qu'il s'agit du raccordement en collecteur fonctionnant et conduisant de l'eau. Ces travaux ne sont pas du tout agréables. Tout le monde sera assis dans l'argile. On voit toutes les nuances avec lesquelles ce travail a été associé. Ici, vous pouvez voir combien de dépôts d'argile ont été pompés de là. Tout cela n'est pas agréable. Par conséquent, ce travail n'est pas pour les faibles du cœur. Voici les restes d'un tuyau qui a été coupé, car cela a été nécessaire pour son installation. Tout sera nettoyé et envoyé pour les travaux suivants. Maintenant, nous pouvons repasser de notre côté. Attention au transport. Il n'y a pas de transport qui roule ici. Allons-y. Ici, vous pouvez voir les puits d'égout. Voici l'eau. Tout passe juste à côté. C'est le système d'égout et nous avons déjà connecté notre réseau à ce puits-là. Ce jour-là, juste avant le début du tournage, nous avons tenu des négociations sur la fourniture de services. Il s'agissait des contrats, plutôt des renouvellements de contrats et des avenants aux contrats sur le drainage, l'approvisionnement en eau et l'approvisionnement en électricité temporaire. Maintenant, une très grande quantité de travail est en cours pour apporter des modifications aux contrats existants, mais aussi pour conclure de nouveaux contrats. C'est une très grande quantité de travail.
De plus, nous préparons la conclusion pour l'achèvement de la construction. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Ensuite, je passe le micro à Alexandre Soudarev. Il vous montrera ce qui a été fait dans le bâtiment et quels changements ont eu lieu à l'intérieur du BTI. Il vient d'arriver, il est allé chercher de la bonne peinture et commander des échantillons. Nous testons des échantillons de peinture et la bonne couleur pour les murs. Parfois, nous refusons et commandons de nouveaux échantillons, et cela jusqu'à ce que nous obtenions les nuances que nous aimons. Je donne la parole à Alexandre. Bonjour à tous. Oh, super. Poursuivons notre visite à l'intérieur du bâtiment. Allons-y. Mais pendant que nous nous déplaçons à l'intérieur du bâtiment, voyons d'autres travaux sur notre chemin que vous n'avez pas encore vus dans la vidéo d'aujourd'hui. À présent, nous sommes à l'entrée principale du chantier. Ici, la première couche d'asphalte a déjà été posée. Maintenant, nous voyons des gravats et le revêtement partiellement restauré. Il reste à poser de l'asphalte ici. Que s'est-il passé? Cette section de la route a été coupée afin de poursuivre l'installation des réseaux de viabilisation à courant faible. Autrement dit, ce sont tous les câbles qui seront responsables de l'éclairage, de la télémétrie, d'Internet, de la gestion des barrières, des groupes d'entrée, etc. Tous ces systèmes seront alimentés par ces communications. Nous voyons que ces lignes commencent profondément sous terre. Elles viennent de cette partie du site. On voit aussi que la bordure en pierre a été installée. À noter que la grande partie de ces travaux ont été effectués le week-end. Maintenant, les ouvriers installent le coffrage et le socle en béton sera réalisé ensuite. Là, nous voyons que les réseaux de viabilisation sont sortis de ce côté-ci. Ici, une assez grande tranchée a été creusée, bien sûr qu'elle n'est pas aussi grande que les tranchées précédentes, mais néanmoins. La base a déjà été effectuée pour l'installation du lampadaire, et dans un proche avenir, tout cela sera recouvert d'une couche de sable, et nous allons ensuite poser une couche fertile pour aménager un espace vert. Allons-y. L'entrée du bâtiment administratif et technique. Nous voyons un coffrage déjà coulé avec du béton. Cela suggère que l'entrée se prépare pour des travaux de finition et à l'avenir, le carrelage sera posé ici. Par conséquent, il sera nécessaire d'effectuer une chape d'égalisation ici. Cela signifie que nous observons déjà les processus qui précèdent l'étape de finition de l'ensemble du complexe. Eh bien, parallèlement à cela, il y a des travaux fonciers assez actifs qui sont en cours et qui seront bientôt terminés. Maintenant, nous nous sommes déplacés dans le bâtiment administratif et technique et nous voyons ici que les travaux se poursuivent. Nous voyons déjà les murs préparés pour la peinture. Une partie des murs n'a pas encore été préparée, mais pas en raison du fait que les ouvriers n'ont pas encore réussi à le faire, mais parce que des panneaux muraux décoratifs spéciaux seront installés ici. Il s'avère qu'une partie des murs sera peinte, une autre partie des murs sera revêtue avec des panneaux. Cependant, nous voyons déjà certains cadres installés pour soutenir des structures de clôture en verre. Nous pouvons également voir que la salle d'exposition est un peu plus aménagée. À noter que les couleurs pour la finition ont déjà été sélectionnées pour cette zone-là. Voici un autre point très intéressant. Nous allons entrer dans cette pièce. C'est l'un des locaux d'hébergement temporaire des spécialistes, c'est-à-dire une sorte de chambre d'hôtel. Ici, sur le mur, on voit déjà des bandes de peinture. Par conséquent, vous pouvez voir ce à quoi cette pièce devrait ressembler à l'avenir, mais nous n'avons pas approuvé cette couleur. Par conséquent, nous devons choisir une couleur plus appropriée. Même au niveau des couleurs des murs, nous prenons tout très au sérieux. Ensuite, je voudrais noter que les ouvriers ont déjà posé une couche de peinture dans le futur bureau de l'ingénieur en chef et ils poursuivent l'installation des cloisons dans cette salle. En outre, dans la salle de contrôle, nous pouvons voir des cloisons, y compris avec des portes.
Il y aura du matériel spécialisé, des caméras et tout ce qui est nécessaire pour gérer le fonctionnement du service de sécurité. Cependant, nous voyons ici un assez grand nombre de fils. Nous voyons le plafond déjà peint en une couche et il est nécessaire de poser une deuxième couche de peinture aussi. Là, certains éléments du système de ventilation sont ajoutés. Regardez ces éléments les plus brillants. Ici, dans la salle d'exposition, vous voyez de grands boîtiers qui sont apparus, vêtus d'une couche d'isolation spéciale afin d'assurer une thermorégulation correcte. Pour ce faire, le plafond a été coupé et si vous regardez du premier étage, ce sera évidemment le sol coupé. Les mêmes travaux sont effectués jusqu'au deuxième étage du bâtiment administratif et technique. Tout ce processus est en cours. Parallèlement, nous devons également sceller tous ces trous techniques afin de les préparer pour la finition. Il est surtout obligatoire de couvrir le carrelage déjà posé pour ne pas l'endommager. Ici, dans cette pièce, la pose finale est déjà en cours. Il reste littéralement quelques carreaux à poser. Par conséquent, le processus est assez laborieux, mais les ouvriers y font face. Entrons dans les locaux de la future cafétéria, qui est créée spécialement pour nos employés. Ici, nous voyons la peinture du mur que nous avons également rejetée. Nous pensons que cette couleur ne correspond pas à notre vision de ce à quoi devrait ressembler la cafétéria. Vous pouvez laisser un commentaire et donner votre opinion à ce sujet. Et nous voyons aussi le plafond peint. Nous voyons déjà les éléments du système de ventilation. Une partie est de type insufflation, l'autre est de type aspiration. Les travaux sont assez actifs et je pense que dans un proche avenir, nous serons en mesure d'observer la finition du rez-de-chaussée du bâtiment administratif et technique conformément au projet. Par endroit, bien sûr, ce sera modifié. Mais néanmoins, ce sera déjà fait. Cette zone-là sera fermée, l'accès à cette zone sera considérablement limité et les ouvriers vont y effectuer uniquement des travaux liés au réseau électrique, c'est-à-dire le câblage pour les lampes et autres. Ici, nous observons du carrelage déjà posé. C'est une salle qui sera équipée pour la physiothérapie et le dentiste pour nos employés. Et ici, les travaux de finition sont également en cours. Là, nous pouvons voir le travail qui est effectué avec les réseaux de ventilation. Cet entrepôt a été présenté dans nos vidéos il y a longtemps, mais maintenant nous voyons qu'un travail actif est en cours et que de grandes communications de ventilation sont déjà déplacées et que leur installation commence. Nous voyons également que le système de tuyauterie a été presque refermé. Nous voyons de nouveaux raccordements et des soudures. Tout cela sera ensuite peint avec des couleurs appropriées. Eh bien, en général, vous voyez que l'installation des réseaux de viabilisation à l'intérieur du bâtiment se poursuit rapidement et que les tuyaux deviennent de plus en plus nombreux. Nous voyons déjà une branche qui s'approche des murs. Les ouvriers vont faire des trous techniques dans les murs. Les tuyaux passeront à travers et tous ces réseaux rempliront notre bâtiment avec des compositions nécessaires pour son fonctionnement futur. Eh bien, près du secteur chauffage individuel, nous voyons que les principaux travaux de soudure ont déjà été terminés et nous nous préparons maintenant à raccorder ce système au système général de chaleur. Beaucoup plus de tuyaux sont apparus au-dessus de nos têtes, ce qui signifie que la ligne a presque été refermée. Juste au-dessus de nous, et là plus loin, nous avons des secteurs où il faudra encore terminer les travaux qui se poursuivent très activement. En outre, nous observons que l'armoire d'automatisation qui se trouvait ici dans l'ouverture a maintenant déménagé d'ici. Si nous regardons dans le secteur chauffage individuel, nous verrons que tout l'équipement se trouve déjà à sa place. À noter que des supports spéciaux ont été installés sur le matériel, des fils ont été posés, et dans un proche avenir,
Ce secteur sera connecté afin d'aider tout cet équipement à fonctionner de la façon prévue par les ingénieurs. Eh bien, si nous regardons par la fenêtre, nous verrons le niveau élevé de la chaussée. Nous voyons que ces puits qui s'élevaient à 1,5 mètre de la terre sont déjà complètement recouverts avec du sable. Le compactage de la terre est en cours et des rouleaux compresseurs fonctionnent dans cette zone-là. De grands véhicules de chantier ont également déjà eu la possibilité de se déplacer dans cet espace qui sera bientôt recouvert de géotextiles et le remblayage y sera effectué avec des gravats et du sable. Ou plutôt, cette zone a déjà été recouverte de géotextiles et remblayée avec du sable. Et maintenant, il reste à effectuer le remblayage avec des gravats. Ensuite, nous serons en mesure de voir la pose des couches d'asphalte. Voilà, je vais terminer notre reportage. Merci pour votre temps, pour votre attention, pour votre participation au projet, pour votre soutien et bien sûr pour votre confiance. À bientôt. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux et de rester au courant de tout ce qui se passe dans ce projet.